leurs ressources dans la gestion de la ligue en général. Et c'est parti, c'est là. Xayah, Rumble de ban, belle adaptation de Banbly, la part j'aime de bien, ouais. BDS. Chez la brobe, il était chaud avec. Ouais, ban Blitz, pour moi, c'est une obligation contre eux. Ils vont faire speak Ashe. Je pense qu'on pouvait s'y attendre étant donné le nombre de games qu'ils ont joué de Ashe quand on joue par Rumble. Et c'est la Kalista. Kalista pour upset. Même dans F, il la pique comme un homme. Le Maokai. Non, pas de Graves pour Bo. Il était sous Graves et tout, mais non, les amis. Un grand joueur, même très très fort mécaniquement, même ce que tu veux. Quand la méta, elle dit que Maokai c'est broken, il faut des fois s'adapter un peu. Et ça l'est. Et là, c'est vraiment très 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 fort Maokai. Wow, j'en ai marre. Après, on n'a jamais joué Maokai, les mecs. Hein. Ouais. On l'a joué une fois en support, on l'a jamais joué en jungle. Hein. Et il est peut-être sup, ce Maokai. Et il est peut-être support. Une fois n'est pas Hein. coutume. Même si. Bah, je crois que le prochain patch, Maokai support, c'est Brox de fou, frère. Mais pas. Enfin, le prochain patch, le patch live, là. Pas sur le patch LEC. Moi, les gars, je vous le dis, Maokai jungle, je suis heureux, frère. C'est trop fort, ça, grand mec. Ah, j'allais dire, on prend Renata, mais ils l'ont pris. Non, ouais. On a Bien peut-être dû joué. faire Kalista Renata. Après, on voulait pas donner le Maokai. Après, Ashe Renata, ça va, c'est pas non plus. Ouais, c'est juste pour deny. Ouais. On sait bien qu'on va et tout, tu mets le truc, tu On peux va survivre pouvoir. Mais après, on après. peut avoir le. Un bon match-up bot aussi. Hein. Vas-y, on Azir supergraph blind. Hein. pour De l'instant. toute façon, nos trois premiers picks, à chaque fois, c'est classique, frère. Le 4-5. De toute façon, C'est super boulot ça, Kalista manqué à dire. avant qu'ils partent, à chaque fois, maintenant, je leur dis le 4-5, le 4-5, 4-5. Parlez bien, t'as vu, faites pas de dinguerie. S'il y a un truc que tu vois une dinguerie, dis-le, même si c'est tes top, tes jungle, tes bots, tes supports, je sais pas moi. Tu vois, il y a une dinguerie, parlez-en, frère. Il faut que tout le monde réfléchisse. Ils veulent counter top, je crois. Ouais, il y a moyen, ouais. S'ils ont bonne K-Santé, ils veulent C'est que la moi, je guerre au pensais ce top qu'il même, allait hein. faire Adam. Par ego, je pensais qu'il allait faire Speak Rumble. Et ils jouent pas trop Rumble là-dedans, Ouais, non? parce qu'il joue pas trop Rumble. Il a été beaucoup critiqué sur ça. Et je m'en souviens, j'ai regardé un de ses streams une fois. Il était en mode, ouais, mon Rumble, il est fort. C'est juste, je l'ai pas assez joué on stage, etc. Et contre Cabo, je me suis dit, il va faire Speak Rumble. Et au final, non, il la banne. Pike de ban. C'est vrai que Pike contre Renata Ashe, c'est quelque chose. Hein. Très bon Pike. Le problème, c'est toujours la même chose. Hein. C'est que frère, Soudoyer soit avec, tu hein. es sous droit, soit t'es mort, frère. T'as pas de. Qu'est-ce qu'on peut pickpot là? Je sais pas ce qu'il va inventer Oh la Targo. vilaine Caitlyn support, j'en rêve, hein. Je sais pas si on est Caitlyn en support, tu les mesure de prendre celle. massacres. Ouais, Bah Caitlyn si, en support, c'est vrai, quelque là, t'es chose. dernier, là, t'en bats les couilles. Caitlyn support contre eux, là, tu les massacres, hein. Senna, c'est ban, les mecs. Senna, c'est ban. Orianna ban. Il va aller sur le Corki, là. On veut le forcer sur le Corki ou je rêve? Ouais, Atto. Le Jayce qui est ban. Ils veulent jouer Gnar, du coup. Comme j'ai le Bard. C'est bien vrai qu'on vaille. Après, C'est avec Bard l'ulti, tu Kalista, pieds j'aime pas dessus. trop. Mais Non, vas-y, mais c'est c'est bien parti, qu'on le vaille en Bard. vrai. Et Targu sur Bard, c'est un génie, frère. Je voulais le voir même avant parce que Bard sur ce patch, c'est très très fort. Et le last pick top homme. Last pick top homme, Renekton en blind pour Adam. Avec une Nico. Nico. Ok, la draft elle fait sens à gauche aussi. Allez, top homme, tue-le. Qu'est-ce qu'il va inventer top? Kennen. Je sais pas trop ce qu'il peut inventer. Contre le Toon. Le Olaf? Olaf, Le la peur qui Olaf? change de camp. Après, c'était sa DA à la base, hein. C'est vrai, hein. Olaf Ghost C'était. Ignite, hein. C'est comme ça que j'ai C'était. connu ce C'était. monstre, moi. C'était sa DA à la base, hein. Ça ne change pas de camp, frère. C'était. Non, mais c'est pas. C'est son pic, Ray, en mode. Ouais, je sais, mais c'était. Et la phrase, elle passait bien Ouais, aussi. c'était pas mal. Olaf top pour Cabo. On le connaît, ce Olaf. Les ancêtres. Super draft, du bon boulot. Ça va, le 4-5, on n'est pas parti en couille. Ah non, il veut jouer ce match-up. Il a envie de se péta, frère. Top lane, les mecs, t'as vu. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Ça va se taper, bonne chance. Non, non, ouais, Olaf, c'est à Cabo de base. Après, Adam, il est venu. Il a tout flingué avec son Darius, avec son Olaf. Même son Aatrox et tout. Il sortait des Irelia. Genre, vraiment, quand il était chez nous, Cabo c'était. à l'époque c'était full Olaf top chez tout le monde, un hein, Ouais, Ghost c'est ça, c'est Ignite. ça. C'est ça, mais à la base, c'était le sien.
pas un bon match-up pour Rennec. Ouais, mais après, Rennec, il peut s'en sortir. Si Cabo fait une erreur sur sa lane, il peut se faire punir très très vite. Et surtout, je pense qu'il va y avoir des 2v2 top à gogo. À gogo. On aura Bo sur Maokai. Mais dis, en vrai, c'est très 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 fort. Les gars, ils sont encore là-bas, c'est vraiment des monstres. Plein Aussi lundi. jusqu'au bout, c'est bête. Ils veulent rien savoir, frère. Toutes les games, ils vont les grailler. Juste le bard Kalista, je suis pas sûr. Dans le sens où. Après, on avait besoin d'un range pour match le Renata H. C'est contre Vi aussi, Donc surtout. ça va, ouais. Contre Vi, c'est pas En vrai, il y mal. a l'ulti, tu l'ulti par-dessus et ça tempo tout, quoi. Milio, ouais, j'avoue que Milio, ça aurait pu être une option. Mais Milieu, serait pas mal aussi, c'est très ouais. fort contre Azir aussi. Mais Bard sur ce patch, c'est vraiment très 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 fort. Allez, ça part. Directement BDS qui va face check les bush un par un à coup de salve de Ice. Petit sweeper, ils se demandent s'ils sont wardés. Ils savent qu'ils ne sont pas vus. Targamas qui attend dans le bush ici. Et là, il va Meilleurs avoir amis. l'information. Oh la bête. Frère Chix. Oh, lui c'est vraiment pile à l'heure. Il est Limite, il pas. allait venir au First Blood celui-là. Aïe. J'ai le lien ou pas? Je sais pas si j'ai le même lien. Et je te le donne? J'espère qu'il Oh a le là lien. là. Mon frère JJ, frère, Gros on Jake, il l'a. est toujours là, lui. Déjà là, frérot. À l'affût. Allez, on a vu l'invade. On va aller directement chercher des wards côté opposé. Il va pas jouer Phase Rush, bro. Il va jouer Aftershock. Ok, intéressant. Intéressant, intéressant. De toute façon, il y a les deux écoles, hein. Je pense que Attention, c'est le juste mieux, au. moi, ouais. Ouais, je pense que c'est pas mal dans Que cette t'as boucle. full dégâts avec Azir et tout derrière, j'étais juste à tank là. Ah non, mais surtout qu'il y a Vi, il y a Renekton, donc t'as des go in facile, Ouais, attention, c'est bot vrai. lane. Bonne platine qui est proc, on peut pas trop face check, le level 1 il va être super important là-dessus. C'est dur à jouer pour nous, voire impossible vu qu'on n'avait pas la position. Dans ce match-up double range, après on veut peut-être y aller, hein. On a quand même Kalista, magnifique, très bon trade. Pas Le set mal. il a pris cher quand On a même. plus le, là, du coup, Ouais. c'est un peu chaud. De toute façon, Ouais. les laisse push. Dans tous les cas, là, avec la position, on peut pas faire grand-chose. Il y a le sweeper pour la Ouais, Brov. comment ça touche ça? La Brov qui vient trade, voilà, j'aime bien, on répond, on Un répond. brave, il a pris cher. Hein. Ouais. Il reste une potion. Le problème, c'est qu'il trade sur Upset. Upset, il a pas de sustain. Kabochar level 2. Adam Hey. qui Pourtant, passe ça level l'attendait 2 pas, ça. aussi. Il pensait pas qu'il allait avoir son level 2 avec son Renekton. Mais le creep est mort sur le go-in de Kabo. Aïe, ça touche, dommage. Et ça va, Upset, pour l'instant, il a tous les CS. Tellement dur de farm quand une hache elle te tape sous la tour, frère. Ça rend fou. Ah, c'est horrible. Allez, celui-là, on va l'avoir aussi. Kane qui va prendre cher là dans ce early game aussi. Dans ce match-up, c'est pour ça qu'il joue Fleet. Ce match-up est difficile dans les premiers niveaux et après, c'est tranquille. Attention, ça va invade le top side de Ouais, mais Bo. du coup, vu la position de nuke là, on doit se douter là. Ouais. On sait au Mais moins que ça va, c'est il parti s'enfuit. chercher de la vision. Maintenant, du coup, Bo, il est plus bot. C'est compliqué de les gang. Ils ont wardé le bush au-dessus. C'est H, Renata. Tu peux perdre. Tu peux fail ton gank assez facilement. C'est pas évident, évident. Cabo qui a trouvé un back. Très early. C'est freeze par contre là. Tu vas perdre pas mal Non, d'XP. Hein. slow Ah non, push c'est vers bon. lui, mais. Il a perdu un peu de CS, ouais. Ouais, Mais bon, ça va vers lui. après de toute façon Adam il va. Ah mais Adam il a sa TP. Ah, je TP aussi Kabo, mais il voulait pas. Il voulait juste back à pied. Pas trop le mouvement là-dessus. De toute façon, dans tous les cas, les deux ont leur TP. Après j'ai pas vu s'il s'était pris un sale trade ou quoi. Ah, c'est le niveau 2 quand il a direct, c'est très mauvais trade. Ouais, après normalement Gros il a le trade temps de de même régène pas. et tout. Attention, chez Obo. Ça va peut-être se battre ici. Il a eu le crabe, magnifique frère. Sublime, frère. Magnifique, Le j'en duel pleure. psychologique. Ça c'est une victoire déjà. Hein. Attention maintenant il va se battre pour les Vrace chez O. Chez O il passe par derrière là. Il a donc le top. Ouais mais il peut pas, il doit attendre son CD de Q puis re-attendre son CD de Q. Il aime trop faire ça chez Ouais, O, il aime trop putain. passer dans les murs frère. Je te jure. Et là il a pas de Q Ça hein. marche bien en plus, Il hein. a Après, pas il de a pas de Q, Q. hein. Il peut Cabo. un peu 1, je pense pas qu'il peut un peu 1. Ah il pourra pas je pense, il est mort. Ah il est mort, Oh, il est le mort, il pneu était de level Renekton, 4, bon, donc il ça va va l'allume, il vite. va pas trop perdre Après il a sa CS. TP, ouais, il a sa Ah TP. ouais, il fait TP. Il est obligé de mourir. Bon il va aller
Chercher un gank mid, j'aime bien. Hein. J'aime bien sur Nuke là. Le go in de Saken, flash in de Beau. Oui, magnifique. Ah bah, Nuke, il a plus de flash, il est complètement mort. Okay. Kill sur Azir, magnifique. Il va perdre une wave énorme en plus. Il a sa TP, il va pas tout perdre. Et très bien ça. Joué, Beau. Très très bien joué. Il va prendre le deuxième crabe sous en plus. Double crabe. Sous double crabe. Et ça, psychologiquement, c'est une game personnellement. Moi, tu me donnes ça sur Mao. C'est un moi qui joue plus quand le jungle en face prenne de crabe. Ah frère. Hein. De crabe, il a pas eu l'assist au top chez O. À quoi bon continuer de jouer dans cette game, j'ai envie de te dire. Là, je vois que mes frères me connaissent bien dans ce vocal. Attention, le Drake qui va être lancé du coup. Vu que ah, on sait... le gif, ça de toute façon. Le Maokai doit back. Mais Ali. Même pas, tu as trop de pression et tout, c'est pas grave. Ouais, là c'est dur. On est obligé de give un peu quelque chose. Pas d'assist, super boulot ça par contre. Ouais, magnifique. Et là, très bon gang de Beau, hein. Nuke qui joue un peu trop confiant, un peu trop libre. Là, il y avait les vrais, ça allait voler, mais. Faut il punir. A fait son choix, la bête. Exactement. C'était le bon. Un très bon choix, même. Merveilleux. Nice, allez. Allez, on est bien. On est bien. Ils ont juste eu le Drake, mais c'est pas grave. Que il a les mercs en plus, il va pouvoir rester. Il va back après ça, je pense. Ouais. Il a déjà claqué sa TP. De toute façon, il y a le Dominus. Il y a la Vi qui se dirige aussi vers le topside. Non, en vrai, il faudrait trouver un gank sur Cabo, un truc sur Cabo, le mettre bien, tu vois. Un move aux larves. Hein. Ouais. Après, le 3v3 aux larves, je suis pas comme un ouf. Des Mercure sur Azir, en vrai, c'est pas mal. Nekton, ça fait peur. Hein. Ouais, mais Olaf aussi, c'est très fort. Ouais, Olaf aussi, c'est fort. Qu'on a Olaf. Ça peut aller dans les deux sens, même si je donne l'avantage quand même au 3v3 BDS. Hein. Renekton, Vaille, Nico, c'est bête et méchant, frère. Et bon, c'est bête et très méchant, même. On va prendre une comme un homme. Ouais, il a plus de smite là. Je pense pas qu'il peut tuer en face. Ouais, il a dodge avec le Renekton. Après, il y a Renekton qui arrive. Je pense pas qu'il tue. Il y a le Vel'Tis sur Maokai. Flash out. Cheo qui doit reculer. Il doit lâcher ça. T'as vu? Peut-être un peu. Saken, il aurait peut-être dû aller direct. Je sais pas s'il a pris son temps ou pas. Non, je revois le move. C'est juste qu'en vrai, il aurait peut-être dû attendre un peu avant d'ulti avant qu'il flash. En fait, je crois qu'il a attendu dessus, un peu. Parce qu'il a pas air direct. Ok, le stun de Targamas. Magnifique, le double stun. Oui, ouais. Double kill bot. Enfin, double kill. Duo kill. Pas dive. Hein. C'est dur, hein, cette hache quand même. Ah, c'est dur. Toi, il arrive à trouver un stun de fou. Je pense next wave, ça dive, je pense. Ouais, ouais. Si on passe sur la wave, c'est free dive. Il reste, ouais. S'il reste, il se fait dive 100%. Bah mais on va reset, je pense, trop risqué là. Non, c'est bien, frère, on a eu le kill. Ah, on était sur une lane vraiment difficile, hein, Renata H. Plus position level 1, faut pas abuser. Attention. On passe 3ème crap, ce serait trop. Cheo, il est niveau 5. Hein. Et 2-3. Et 2-3, sous ses yeux. Au nez et à la barbe de Cheo. Et ça commence à monter là. Intérieurement, il est en train de bouillir la bête. Ça commence à se dire bizarre, ouais, tu l'as pas vu au mid. Je les connais ces phrases. Attention, Cabo. Je peux plus moi maintenant. Ah, je savais que je n'avais pas gank top. C'est de la merde. Le wesh, tu l'avais pas vu. Il veut vraiment dire on l'a vu, sale fils de fille. Comment t'as fait pour mourir? Attention, Targamas. De toute façon, je joue Bard. C'est un petit portail au cas où. Blue buff de voler pour ce Maokai. Attention, par contre, la vaille à level 6, elle va sûrement. Là, elle va vouloir trouver quelque chose, Shio. Oh, oui, c'est qu'avec son champion. Tour gratuit. Pour l'instant, cette troisième larve, elle ne veut pas mourir. Et en vrai, tant mieux, parce que le mec qui va la faire, ça va donner sa position. Et là, Beau, il veut pas donner sa position, c'est pour ça qu'il le clear pas. Il s'en bat un peu les couilles, de façon, des larves. Soit t'as les 6, les 5, après on aurait pu les 5. Les CK ils font ça, bon. Hein, des fois. Jungle il passe, il prend une larve, il s'en va. Et ouais. Il retourne plus jamais. Je fais ça aussi maintenant dans mes solo queue. Mais après, ça, dès que ça repop, il va, il en reprend une. En fait, si t'en as 4, t'en fous quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, Cheo il va finalement y aller parce qu'il a plus rien à faire dans sa jungle. Bon, il a beaucoup de choses à faire. Mensonge. Non, je jure, c'est vrai. En fait, quand t'as un match-up défavorable, un 3v3 défavorable,
tu vas, tu one shot une larve et tu te barres ouais, direct. Tu te barres. Et après, dès que ça repop, tu refais pareil, t'en one shot une et ils en et ont 4. Et du coup, s'ils en ont 4, bah t'es bien. T'es bien de fou. Et tu deny juste les 5. Et toi, tu prends ton temps pour faire d'autres choses. Sachez-le, hein, ce Maokai. Tu sais que ce Maokai, sous, il est bien dans la game, hein, sous ta bille cœur gelé, il est intuable, les frères. Il va falloir sucer. Hein. Ouais, parce que Nico, c'est comme si c'est full AD en vrai. Ouais, non c'est ça. C'est, pour moi, c'est full AD. Hein. Et après, il fait un item RM plus tard, le Rookern. Ouais, ouais, c'est fini. Hein. C'est terminé, frère. Alors là, après, Nico, elle peut même plus rêver de le tuer. Pendant son accord, faire l'agression. Ouais, l'agression, il y a le slice. Le ghost est claqué. C'est bien parce que Adam, il a plus de TP. Hein. Il a TP récemment. Ouais, pendant ce temps-là, ça va aller bot, ça va aller sur Ice, ça va pas connecter pour Targamas, dommage. En vrai, c'était chaud, on reste pas plus mal, ça aurait pu nous bait dans un fight. Si ouais, on avait ulti Renata, ulti Vi et tout, ouais, ça peut aller vite. Ouais. Non, ouais, c'est bien, non, on tente de loin, on prend pas de risque. On prend pas de risque si ça touche, on peut y aller. Ah, oh, Maokai. Labo, il est bien placé, il va flasher l'ulti. Va attraper la brove, attention à l'ulti Renata, on va pas attraper personne. L'ulti Renata qui va être raté aussi. On va juste se repositionner. Nice try, nice try. J'aime bien, ça aurait pu les surprendre, mais ils ont vite reculé. Ils ont eu le flair. On a plus d'air pour Drake là. Ah, il a plus de flash, elle est morte. Attention, vous êtes en avance de fou, non? Vous êtes à combien? Attention, beau. 58, 59. Ok, non, on est pareil, 11. On est pareil. Ah, il va mourir, il y a trop. En fait, quand j'ai vu la Targamas, Targamas qui va ramener. Qui va ramener Chéo? Est-ce qu'on peut le tuer? Non. Oh, dommage. Non, putain, c'était bien joué. Hein. C'était bien joué. C'est très bien joué, même. Il cancel le Drake tout seul là, sur ce move. Hein. Okay, ça veut se battre. Et puis le mana sur. C'est cancel Drake tout seul là, ouais. Avec ce move. Pendant ce temps là, Saken il push le mid. Il est venu sur le premier décalage, mais derrière il est obligé de reprendre sa wave. C'est là où on aurait dû un peu plus respecter. Bon, ça va, c'est juste un kill. Un kill sur Nico quand même. Saken level 10. Il a 400 gold d'avance hein, malgré. Ouais, Saken il est trop bien là. Il a eu le kill. Le gank early, il a eu la solo win. Plate au bot, contre Ash Renata, mais even au plate, moi ça me va, personnellement. En plus encore on va mana H, on va près sur 3 waves encore, comme au top là. Chez O, petit smite de beau, non, pas ça. C'est terminé la game. Et c'est la game sur ce smite. Elle est finie. Remets une emote, il déco maintenant. En tout cas, si j'étais la vaille. T'aurais entendu. Allez, attention, le divebot potentiel là, Targamas qui va prendre quelques autos. Mais Ice est isolé sous la tour. On va l'ulti cette tour et là c'est compliqué, on va juste respecter la TP. On va juste respecter la TP, c'est gratuit. Pas mal. Sur un petit mouvement. Ah, ça cancel. Et puis il a commencé à prendre un lead là, il va back le Renekton. Attention, beau sur Sheo. Non, pas ça encore. Ah, c'est bon, il l'a eu. Flash out, c'est bon, il a flash. Bon, là, il aurait dû. Temps, il aurait dû ulti dans l'autre sens là. Un frère, un poteau. Petite plate au top, peut-être. Ah, il en prend deux, c'est sûr. Hein. Ouais. Le plate bot aussi, hein. Ouais. Une petite auto là. Petite auto avec la brûlure, ça suffira. Magnifique, super heureux. Y'a pas de mana, y'a un heal qui l'attend juste derrière. Petite tasse de café là. Ça se passe bien, hein. Parce que BDS, c'est une équipe qui joue très très bien en early, les amis. Hein. Encore une fois, on va gagner cet early maintenant. Vous savez, c'est dans 5 minutes que ça. Attention le Drake, est-ce qu'on peut l'avoir? Il y a un portail et non, tu vas pas l'outsmite. Tu vas pas l'outsmite et il va prendre le portail, il va ramener Sheo. Sheo qui se fait stun, est-ce qu'on peut pas le one shot là-dessus? On a pas de flash. Ouais, ça va être dur, ça va être dur. Ok, Saken il a dodge l'ulti nuke. On a eu le Drake contre un kill Maokai, ça me va sur un. C'est Vi qui prend le kill. C'est bien. On a pas reset bot lane en plus, ouais, c'est ça. Donc on pouvait pas. Oh le bâtard Adam. Il est vu, hein. Ah, mais Maokai est mort. Ah, ça va être 5 larves. C'est ça qui fait chier. Heureusement on a eu le Drake, hein, parce que là si on se faisait outsmite Drake, c'était un peu la cata. Ouais. La Nico elle a ulti, Saken il a pu le dodge. On arrive en deny 1, attention à Cabo. Ouais, un seul nous suffit, hein. Ouais, s'il recule et qu'il nous le laisse. Ouais. Magnifique. Ça va, ils en ont 4, j'en ai rien à foutre personnellement. Ouais, bah on est à 14 minutes, ils ont pas le temps de le faire. Bah c'est parfait. C'est parfait les mecs. On a toujours dit que si tu peux pas en avoir 5, absolument le deny. Okay, tranquille, petit coup de presse, petit CP. Du grand frère Cabochard. Ça va brûler la T1 bot. Est-ce qu'on peut go Heral là? L'Heral, je trouve ça vraiment fort. Au début, je trouve ça nul à chier. Là, Nico, elle a plus d'HP. Ouais, non, c'est trop fort l'Heral.
Nico a plus de mana. Mid qui push, top qui push, peut-être moins d'héral là. Ouais, c'est ce que veut faire Beau en tout cas. Attention à la vibe bot là, ça peut aller vite. Et là sa clan, c'est là son flash, upset. Kaboom! Chop chop! La botlane remonte et tout, là on est bien là. Ken il est bien dans sa game hein. Général, c'est tour mid direct là, gratuit. Et en plus, la tour mid pour le mid game, c'est ce qui nous a manqué plein de fois. Hein. Quand t'as la T1 mid, tu peux jouer au jeu. Quand t'as pas la T1 mid, c'est dur le mid game. Là-dedans, pendant ce temps-là, qui va prendre la T1 bot. Ouais, si on a Herald, temps, hein. Avec l'Herald, on peut prendre deux tours. Hein. Luke qui doit respecter après lane pink, donc il y a pas vraiment grand chose à respecter. Lane pink, noir. Il peut def, je pense, quoique s'ils arrivent à 3, c'est chaud. Ouais. Il peut pas def, je pense, du coup. Bon, il va les voir sur la ward là. Ouais, il va juste la give cette tourelle. De toute façon, on prend l'Herald. Hein. On top, est bien avec l'Herald aussi, bien, hein. Ouais, là, on a top gratuit et le mid avec l'Herald. Ouais. Donc au final, ils ont juste first blood. Là, bon, on est gagnant dans ce trade, c'est juste pas gagnant maintenant. On est even déjà de base et on va être gagnant avec cette T1 mid. Là on reset tous, on se regroupe en mid lane, on va prendre la T1, j'en pleure. On est malin sur la map. Je voyais les mêmes sur Twitter, on est pas malin sur la map. Non, là on est malin. Sur la map, on est. Là on joue malin, c'est ce que j'aime frère. On peut pas gagner à LoL, c'était pas malin frère. Ah non, tu peux pas frère. C'était vraiment génie mécaniquement, mais un super génie. Ah mais du coup faut les bons champions aussi. Ah il faut les bons champions. Attends, mais on a la T1 bot aussi en plus. Ah non, pas tout de suite. Chainwave peut-être, il y a beaucoup. De toute façon cette T1 elle va les voir mourir. Et au pire on peut Herald mid into bot. Hop là. Au niveau scaling en face, il y a pas de scaling je trouve hein. Mais après je t'ai dit, il y a rien en face hein. Bosch... Après il y a quand même beaucoup de CC, je suis en ouf. Il y a beaucoup de CC mais, bon. Mais c'est non mais je voulais dire pour l'établi, les mercs, c'est les mercs. Ah ouais. Ah non c'est mercure. De toute façon il est intuable là. Mercure c'est obligé ouais. Mercure il y a beaucoup de CC. Par Cabo parce que lui il a pas besoin. Ouais. Vraiment pas besoin avec son personnage. Allez. Je pense qu'on attend là pour mettre l'Herald au mid. Peut-être un peu d'avance sur le Drake. On va juste bien prendre la vision pour cette Nico et on est pas mal en fight. Hein. Ouais. Saken qui va go Liandry. J'aime bien ce choix. Ouais, il faut, je pense. Ouais. J'aime bien ce choix. Pourtant, c'est un amoureux du Rabadon 2 depuis des moi, années. Avec, c'est mon thème préféré, je crois, dans le jeu. Avec Azir, mais là, Liandry, là, il va pouvoir se régaler sur la frontline. Il y a quand même des bons sacs à PV, c'est pas des mecs très très tanky, genre des réels Maokai. Ouais, c'est comme ça, si tu la frontline, c'est fini de toute façon. Mais il y a du gros sac à PV. Saken il a bien farm en plus cette game. Ouais, 194 CS. Mais 30 CS à nuque là. Hein. Il y a un ouais. Crabe supplémentaire. Et un de plus. Il compte plus ces crabes. C'est pas grave, c'est pas grave. Attention le push mid et voilà c'est maintenant qu'on va mettre l'Herald. On attendait que le Drake se rapproche. Est-ce qu'on va rentrer dedans? Ouais, on va rentrer dedans. Que ville ouais, attention ça va péter. Et boum. Supplément tout attaque. Ouais bien sûr, parfait. Bien sûr. De toute façon il y a tous les petits. Supplément tourelle Azir. Supplément ça va chez le Dragonnet. Eh oui parce que cette tourelle va s'occuper du push mid. Il peut pas mourir je pense ça sent. Ah il peut pas mourir. Il va devoir ulti par contre. Ok, là il peut éteindre là. Là il peut éteindre, hein. C'est Olaf. Hein. C'est Olaf, flash out de la vaille. Ultima Okai qui arrive, oh, oui, le follow-up de Beau. Oh, Kabouchard qui va s'en sortir. Magnifique de la part de Beau. Saken qui peut pas rentrer par contre, hein. Compliqué. Not Drake. Hein. La vaille est out. Ils vont vouloir fight avec le Renekton par contre. Beau qui est venu sauver son top laner. Flash out de la part de Sheo. Attention la brave, il a un bon flank pour ulti là. Il n'y a pas d'ulti Nico dans tous les cas. Ils doivent donner ce Drake, je sais pas ce qu'ils font frère. Oh que vie, ils doivent le donner. Oh oui, magnifique Targamas. T'es mort. Non, il va flash out. C'est pas grave, un petit portail, on y va le sang. On y va frère. On y va, on va envoyer Beau, attention à l'ulti. On a la cleanse. Faut tuer cette vaille. Cette vaille est mort. C'est pas grave, ils sont tous low. Ils sont tous très low. Allez, Saken. Il a pas beaucoup de mana.
Le stun de la part de Targama, c'est magnifique. Upset, upset, Saken, upset, upset, allez, allez, upset. Oui, upset, dash, continue. Oui, petit, vas-y, petit. Dommage. Oh la chatounette, frère. J'en peux plus, frère, mourir, Zappi. Gabo, il a son Jack Show, hein, c'est plus le même homme. Saken, les gars, il avait pas de mana pour faire virgule ult. Ouais, je sais que vous allez lui tomber dessus parce qu'en ce moment, il prend cher, miskin, donc. Non, c'est votre cible, mais là il avait pas la mana pour. Il pour virgule ulti. Mais c'est pas flash, tue un mec, sachant qu'il y a pas trop de trucs là. Ouais. Il pouvait, hein, flash, tue un mec, mais bon, c'est tout. Donc c'est pas si worse que ça, quoi. Je vais même pas worse en vrai. En fait, là il a essayé de dodge l'ulti Renata et là il a zéro mana en fait, le mec dans le fight. Donc c'est compliqué. Ah ouais, là, il se fait arrow, H. Et après il DPS comme il peut, hein. Il manque que des soldes, que des aides. Ah, si Kabo il a son nuke, là c'est pentakill. Mais c'est que là, Saken il a 200 de mana de plus, c'est terminé la game. Ouais. Gabo il a encore survécu, frère, il a récupéré le kill. Il a récupéré, il peut flash. Il a triomphe, ouais, ah, c'est terminé. Pas, Et là, une fois qu'il a récupéré la mana, Saken, bah le fight est trop tard. Ouais. Ouais, surtout qu'il peut, mais déjà la hache va flash, il peut tuer un mec, quoi, donc c'est pas worse. Non, c'est pas worse, c'est pas worse. C'est temps de le garder pour le fight d'après. Oula, ce blue buff aurait pu signer la fin de cette vidéo. Ça aurait pu être la goutte d'eau. Ah, chez les deux classes armor, elles font de la peine dans le stuff là pour l'instant. En jungle, en compétition, quand t'es en retard, c'est vraiment, t'es un chien. Hein. Ah, quand t'as gelé aussi, non, c'est bizarre. Hein. Deux classes armor et faire cœur gelé, ouais. Gelé, mais frère, il aura pas d'HP en vrai. Mais en vrai, j'aurais pas fait ce stuff, moi. Avec... J'aurais fait plus tank, hein, je pense. En premier item, t'aurais pas fait ça, quoi. Premier item, premier item, j'aurais fait Black Cleaver, moi. Ouais, Black Cleaver, ouais, je te jure, Black Cleaver. T'es obligé de faire un item un peu DPS, HP, quoi. Bah, ça donne des HP la lance, mais. Ouais, mais je pense que tu fais trop one shot là. Et squishy là quand même. Bah, leur but c'est vraiment de trouver un flank nuke et Vi qui go in et tout le monde go in et ça pète, ouais. Mais j'aime bien ce qu'on a fait là avec Kabo. Il est parti dedans tout seul, les a fait tous flash out. Il s'en est sorti parce que Bo est venu l'aider. Bo, je sais pas d'où il est venu, comment il l'a sauvé, mais c'était une dinguerie. On va lancer le Nash, je crois là. Hein. Attention les frères. Je joue pour un homme, hein. La vérité. On a toute la vision du monde là. Dommage qu'on n'a pas Azir, parce que oh, ça OMG. C'est qu'on l'a très vite, hein. Il arrive avec Liandry. On va turn, on va turn. Ouais. Il y a zéro vision. Ça, ça après ils ont H, hein. Hein. Après si moins, pas, on le finit vite, là. Ah bah s'ils viennent pas, on le finit. Mais du temps après 9000 HP quand même. Faut fight là, faut turn. On va falloir fight, hein. Alors turn, Targamas peut-être un ulti. Ok, la brove. Ok, 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 il a eu Ice. Il y a un ultime Okai à la sortie, un double stun, attends, c'est magnifique, c'est simple, c'est simple fight, c'est simple fight, Lola. C'est simple fight. Oui, Kavochar, aïe, c'est mort, la brove va mourir, la brove est mort, Cabo. Ça fait moins 2, nucléaire va mourir, c'est 3 pour 0, et c'est dehors. Les frères, les frères. Il en veut juste turn, donc. Ultime Okai, ulti bard, et ça dégaine. C'est terminé, frère. Ulti Bard, Olaf, c'est ça, c'est nos champions. C'est Macacorp, ça, mon gars. C'est Macacorp. C'est Macacorp, ça, mon frère. C'est ça que je demande. Est bien là. Mon frère nuque la trace de bitume dans le caleçon cette game. Eh oui, frère. Les voix des 17 minutes. Eh oui, poteau. C'est ça les mecs, là on joue bien, là on joue bien frère, on joue malin, on joue la map, on a de la vision, on trappe, vous avancez, vous prenez l'ulti de Targamas, si l'ulti connecte pas on va reculer et ensuite vous aurez l'ulti Maokai et ça va marcher tu vois. Là on a les outils, on a les outils. S'il fallait là c'est du start dash, tu tournes juste l'ulti Maokai. On a les outils, me parlez pas de Bo Maokai ou pas, Kanavi joue Maokai frère. Kanavi joue Maokai. Canyon frère. Canyon il a sauvé Kabo au bot et tout. Surtout le Rally lui a volé tellement de camps frère. Il a toujours son esprit de guerrier même avec ce Maokai. Le perso du siècle, moi, perso, jungle, t'es trop structuré avec, t'es obligé d'être structuré. Tellement heureux, on peut même pas te tuer, frère. Regarde hier notre game, Kram. Elle était free lose, elle était frère. Frère, t'as vu hier la game avec moi. C'est impossible, frère, de perdre. On peut pas perdre, frère. Il avait 10k gold à 15 minutes. Hein. Allez. Maintenant, on a la game dans les mains. Et on va la garder, je pense. Hein. Attention, Arrow de H. Que... Nuke, y'a pas de dégâts, hein. Y'a pas trop de dégâts. Y'a pas de dégâts, ulti bard, tu vois, j'ai dit ulti vu, ulti bard. Et là, à la sortie, on va. Tu me remets nucléaire hit, tu me remets Géo. Tu vas flash out le sang. Ulti, bah, ça fait qu'on va quand même mettre des autos. On va régène sur Saken. Y'a un Drake, les frères. A pris cher, après, on la veut cette T2, logique. On va attendre la wave. Maokai qui va pouvoir régène là avec son passif. Ah non, il a la C'est une belle engage comme BDS, mais bon. Ouais.
Mais ils ont pas de dégâts, frère. Ah ouais, y'a pas. Je t'ai dit, tu barres sur le TV, c'est trop fort. Allez, Godrek, SVP. Oh, bah non, c'est mieux de jouer la T2 en vrai, ça. Qu'est-ce que j'y connais, moi. Ils peuvent rien faire, on tape devant eux, on va même T3 là. Mais surtout, Cabo là, c'est une bête féroce. Ah non, pas Drake en fait, y'a un Drake. Non, T3 c'est trop. Cabo, le dernier fight, il a enculé. Il a foncé sur la hache, il a pas réfléchi, t'as vu. Il a dit toi bouge pas. C'est le meilleur pick Olaf là, très bon pick. De toute façon pick 4-5 hein, je l'aurais répété avant de partir, les gars, pick 4-5. Parce que les 3 premiers picks, à chaque fois notre première rota elle est bien, frère. La deuxième rota on commence à bégayer. C'est vrai. Oh il a Dashin. OMG. Après il y a personne autre. Tu sais que je pense qu'il devait un là. Il a tué un V mais donc ça c'est sûr ça. MVD tranquille frère. C'est MDR carrément. Il pensait le dash. Il est mort. Ouais, il est pas mort, mais il a le dash. En fait, Cabo il a essayé de pré-shot le dash, c'était bien joué en vrai. C'était deux là. Il s'en bat les couilles, il est intouchable. Photo les gars, Olaf c'est le perso de Cabo, les gars. Même si Adam, on sait c'est un monstre sur Olaf. Il est passé chez nous, il a joué son Olaf, on le connaît son Olaf. Mais à la base c'était. C'était au vieillard. Oh que vie. Au tonton Cabochard. Et s'il pique Olaf, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Alde, bien évidemment, on respecte. Je parle en full compétition. Les ancêtres. Après, je vois Olaf quand on pouvait start à la potion rouge au top. Okay. Oh putain, ça c'était un patch. Ça fait Edge of Might, troisième item. Wesh. C'est quoi cette tech, frère? Riven start potion rouge. J'adorais ça. Ah, c'est vrai, ça prend la fait Edge of Night. En plus, avec Olaf, tu la perds rapidement, hein. C'est l'item mais il coûte pas trop cher, il est fort et tout. Après et ça donne l'étalité et tout, il va enculer la hache, frère. Attention, beau. Oh là là, ça va envoyer beaucoup de trucs. T'as regardé, on peut le tuer. On peut peut-être le sauver. Et oui, regarde, je t'ai dit, mais ok, frère. Si tu le tues déjà, c'est que t'as perdu le fight. Oh là 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 là, Targamas. Attention, Breton, là là. La partition impériale, c'est un massacre. C'est fini le fight, c'est fini chez Onyx, c'est fini la game. La Brov qui est tout seul, Targamas. Avec son bard. Ce mec, c'est un génie, faut le laisser sur des pics de génie, frère. M'envoie pas sur mon kite support. 27 minutes. De win extrêmement convaincante. Exactement. Malheureusement, on pourra pas se qualifier, c'est dommage. Ouais, parce que vraiment, je pense vraiment que là, tu vois, les gars BDS, ils sont 7-1. Ils explosent tout le monde depuis le début. Ils perdent aucun early, en mid-game, ils sont monstrueux. Et là, je peux le dire, on les a fait sucer, frère. Ils me parlaient pas d'enjeux, je sais pas quoi. Regardez l'étude de Striker, de tout le monde, de Sheo, de Nuke. Ah nanani, ils vont voir, nanani. Les gars, le score, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la game, mon frère. C'est quand tu rentres dans la game, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On a mis 10 minutes de plus à tuer Nuke cette semaine. Où ça va signer les frères? Putain, j'ai envie de jouer. Oh méga loup là, I guess. Tu vas être pleuré en même temps, je vais te rigoler, frère. Ah, c'est trop. GG. Et là, il y a du teamplay. Là, il y a du teamplay, c'est simple. C'est des drafts tranquilles. Tu mets des champions, des Olaf sur Cabochard, des Bards sur Targamas. Tu sais que ça va marcher, frère. C'est logique, les frères. Ça fait 4 ans que ça marche. Pourquoi Zarma, ça va pas marcher cette année? Vous êtes cons, quoi? Bien sûr que ça va marcher. Et bon, par contre, c'est trop, frère. Les deux games qui claquent cette semaine, les deux victoires, c'est. C'est juste vraiment, c'est vraiment dommage. J'ai mal au cœur, les frères. Ouais, parce que voilà, je pense que cette équipe avec ce petit truc en plus, frère, la vie de ma mère, j'ai peur de personne, frère. Mais on a fait 0-7. Comment on a fait 0-7 avec ce... Comment on a perdu contre Rogue, frère? Comment on a perdu contre Giantix? Je suis obligé d'y repenser, les mecs. Vita aussi, frère. Vita, comment on a perdu contre Vita aussi, frère? On était trop bien dans la... Comment, frère? Il nous fallait juste une win. Regardez les games de BDS, ils enculent tout le monde. On les a fait sucer toute la game, frère. Comment, frère?